Et bonjour tout le monde, c'est Moz. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui on va faire la deuxième map de Rester Coincé dans la bordure du monde Minecraft. J'espère que vous êtes chauds les amis. Comme d'habitude, pensez à lâcher un max de likes. Une vue est égale à un like. Et bien sûr pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour. Je vous avais bien dit que la série elle était terminée puisqu'on avait fait tous les achievements dans la dernière map. Mais comme il y a 4 maps, bon, on va faire la deuxième. On enchaîne les amis, j'ai trop hâte, il y a plein de nouveautés. Vous allez voir, comme d'habitude on va devoir faire les achievements, tout ça, on en a plein. Donc là pour l'instant ils sont un peu, voilà. D'ailleurs je sais pas pourquoi il en manque, bon bah écoutez, on verra bien. Et il y a même des monuments à compléter et tout, il y a plein de trucs stylés. Donc voilà, je tiens à vous dire aussi un petit truc, même deux petits trucs. Hier, eh bien ma chaîne avait 6 ans, et oui, on est là où je tourne cette vidéo, on est le 9 mars 2019, et j'avais sorti ma première vidéo et créé ma chaîne le 9 mars 2013. C'est énorme les amis, 6 ans que la chaîne existe, et voilà, je vous remercie d'être là chaque jour pour regarder mes vidéos. C'est voilà, c'est ma passion, et c'est cool que au bout de 6 ans, je sois encore là. Et deuxième chose les amis, à 10 000 abonnés sur Instagram, eh bien, je fais gagner un compte Minecraft. Donc suivez-moi sur Instagram, c'est OximozYT, OximozYT. Voilà, je suis à 6400 abonnés. Si vous voulez vous abonner, allez-y en masse, créez-vous des comptes, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, les amis, vous connaissez la chanson, on est dans un bloc par un bloc et on va devoir agrandir, s'agrandir pour pouvoir atteindre le coffre qui est là, plein de petits trucs sympas pour pouvoir réaliser les objectifs. Alors là il n'y a pas d'arbre en vue parce que vous savez très bien que d'habitude dans les achievements il faut d'abord couper du bois et tout. À mon avis ça doit être sous le sable. Voilà. Bon allez c'est parti, on va faire le premier achievement. Hop là, voilà, ça c'est fait. On peut maintenant avancer jusqu'à 2 blocs, même si la bordure est que jusqu'à 1,5 bloc. Alors du coup maintenant on va pouvoir creuser. C'est parti, je vais mettre juste un peu le son du jeu. Ah on l'entend pas du tout, d'accord, ah sympa. Voilà, comme ça c'est mieux les amis. Hop là, j'ai mis le son du jeu, c'est beaucoup plus agréable. Et on va descendre, j'espère qu'il y aura un truc. Alors c'était vraiment du bluff, hein. je disais il y a peut-être un truc en bas. Mais à mon avis c'est le seul moyen de, bah, c'est le seul moyen d'avancer. Donc je vais faire ça pour l'instant. Tac, je sais pas si c'est la bonne technique mais... Ouais ça a l'air d'être assez pro. On va descendre à l'arrache, on va descendre comme ça, hein. C'est bon. Hop là, voilà. On va remonter avec les blocs qu'on a après. Ah bah sympa, y a rien d'autre. Si on casse ça, vas-y on va casser ça. Allez dites-moi qu'il y a un truc. Oui. Oh, Room of Monument, ah c'est ça que je vous parlais, c'est ça dont je vous parlais. En gros, si vous voulez, là, il y aura des trucs à compléter, il y aura des monuments à compléter et tout, donc vous allez voir, ça va être un nouvel objectif vraiment trop cool. Alors, ok, là, on a une wooden pickaxe, un stick, de la clay, de l'or. Ok, on a quelques outils, mais on sait rien de fou. On peut encore creuser. J'ai pas vu si... vous rappelez... Non, il n'y a rien au-dessus, hein. Parce que je vous ai vous rappelé dans le dernier, enfin dans la dernière map, il y avait des îles volantes et tout, mais là il y en a pas, il y a pas l'air d'avoir ça. Il y a quoi là? Deux. Oula. Est-ce que je le casse avec ça ou pas? Ah. Je sais pas si j'ai bien fait. On va quand même sauter comme ça. Voilà. Tac. Et allez hop, c'est pas grave. Voilà. Ah oui bah du coup justement il y a. Ah bah voilà c'est super. Super. Alors là il y a du bois, du coup on va pouvoir avancer. Tac. Voilà, donc on fait, hop là, on a du bois, getting wood, on peut pas approcher plus que ça, voilà, on peut rien casser ici, donc on va tout de suite faire une table de craft, attention, hop là, achievement get, oh là, je suis beaucoup trop fort les amis, on va pouvoir avoir le bois, oh un coffre, on peut l'avoir aussi. C'est parfait les amis. Ça commence beaucoup trop bien. J'adore, j'adore. Alors il y en a quoi là-dedans? On a des pommes, on a regular potato, on a des bols, on a un peu de... Alors ça, ouais, 4 sur 59, je vais l'utiliser quand même, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, écoutez, on va l'utiliser comme ça. Bon bah parfait. Alors du coup les amis, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme achievement? Ah bah tu vois, on a tout débloqué, il y a d'autres trucs. What the fuck? Ça je sais, ah si mais c'est le truc de... Si si mais c'est le truc de base. Alors on va faire une pioche puis une épée. Une pioche puis une épée. Est-ce que use plant and stick, on va faire ça aussi. Vas-y on va faire tout ce qui est à peu près faisable en bois. Tac, alors on va faire ça. Hop, et là on va faire hop, comme ça, voilà. On va faire une épée, hop, hop. Et vraiment comme on... Waouh. Ah oui, ça l'a beaucoup augmenté là.
on a accès à ça. Et après, je sais pas à quoi on a accès, donc on va voir un peu derrière. Ah ouais, on aura accès à de la pierre que après. Ah si, il y en a là. Oh, c'est parfait ça, c'est parfait. Hop là, voilà. Ah, j'aurais dû faire. Ah, j'aurais dû faire l'épée après. J'aurais dû faire l'épée après parce que là, ça m'handicape un peu. J'aurais une vieille épée en bois. Et ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Ok, bon bah déjà c'est pas mal. On peut faire un four avec ce qu'on a. A mon avis, il y a moyen de faire un four, donc on va le faire tout de suite. Je crois que ça donne des achievements. Bon, purée, là on enchaîne. On enchaîne, les amis. On enchaîne. Mais rappelez-vous que là, en plus de ça, il y aura pas mal d'autres achievements à faire. Donc voilà, il va falloir avancer. Tac, on fait ça. Hop, tac, tac, voilà. On se met bien, on va pas tout casser non plus. On va, ah oui, on a déjà plus beaucoup de bois. On va essayer de garder cela de côté, hein, voilà. On va faire, hop, une petite pioche. Hop, comme ça, on a un autre achievement normalement. C'est parfait. Hop, et là, est-ce qu'on peut aller encore plus profond ou pas? A mon avis, oui, il y a moyen d'aller très profond. De toute façon, il va falloir aller chercher des diamants, etc., etc. Donc, normalement, ça devrait être bon. Ah bah voilà, on tombe sur une caverne directement. Il y a déjà des mobs. C'est sympa, sympa, j'aime beaucoup. Hop là. Donc, on casse plusieurs trucs. Ah, la concrete rouge. Déjà, la concrete rouge, je crois qu'on en aura déjà besoin. C'est de la hardened clay. Voilà, c'est pas de la concrete, c'est de la hardened clay. Voilà. Donc on en aura besoin justement pour le monument, je crois. Donc voilà, c'est parfait. Il n'y a pas moyen d'avoir du bois autrement. Là il y a... Ah! Oh, il y a du fer. Parfait ça. Le mec il trouve tout par hasard. Bon bah ok, on a du fer. On va faire un petit four. Tac tac tac. Voilà, ça nous donne encore un achievement. Et est-ce qu'on ferait pas... Allez, on va faire ça. Tac tac tac. Voilà, ça nous donne encore un achievement. Regardez tous les achievements qu'on a eu quand même. Hein. Bon, voilà, j'ai pas eu juste ouvrir l'inventaire parce que j'ai quitté le jeu pour avoir le son, mais sinon, voilà, on a déjà eu pas mal. Alors, achievement, il y a quoi à faire? Monster attack, il faut tuer un... Ok, il faut tuer un monstre, il faut tuer une vache, il faut faire un gâteau, faire du pain, cuire du fer. Il faut cuire du fer, bon, bah voilà, c'est le prochain truc à faire. Attendez, parce que comme on a rien là, vraiment, j'ai vraiment pas envie de faire des conneries. Là j'ai vraiment que un bois. Je peux faire cuire des sticks au pire. Ouais mais non. Il faut que je fasse cuire quelque chose. Au pire avec des. Ouais avec ça genre. Mais oui on a déjà une épée en bois. Vas-y on va faire cuire avec ça. Est-ce qu'il y aura assez ou pas? J'espère. Ouais il y aura large assez. Ok nickel. Bon bah c'est parfait. Allez, prions pour qu'il y ait assez. C'est bon, il y a assez. Bim, voilà. Parfait. Ouah, ça s'augmente beaucoup là, on gagne beaucoup de place déjà. Parfait. Du coup, achievement. On a fait ça, il faut faire 1 km en rail, ça on peut le faire assez facilement, il faut juste un peu de fer et tout. Bon vas-y, on va descendre dans les grottes, on perd pas de temps. On a notre épée, hop, on a ça, on a une regular potato, on peut pas la manger? Oh, on peut la manger? Ah oui, mais c'est vrai que ça nous donnera, je sais pas si on peut la planter par contre. Bon attendez, on va mettre pas mal de trucs dans les coffres, j'ai pas envie de mourir bêtement. On va prendre nos torches, on va rien prendre d'ici, on va pas prendre les bols, on va pas prendre ça. On va prendre uniquement ça en fait. Voilà, on va prendre uniquement ça. On part à la guerre. Allez, c'est parti, tac. Est-ce qu'il y a un autre moyen de descendre ou pas par contre? Quoique, c'est pas si profond que ça en fait. Là, c'est pas très profond. On va pouvoir y aller. Tac. Alors, je vais pas me fier à la vitesse où je vais pour faire les achievements, tout simplement parce que j'ai vu la plupart des séries de Captive Minecraft 2. Ah, je vais pouvoir avoir l'achievement là. Eh bien, il mettait genre 25 épisodes, voilà. Il mettait genre 25 épisodes à avoir, à finir la série environ, donc voilà, je vais pas trop m'attarder dessus. Ah, on entend des araignées, ça c'est parfait. On va juste prendre un petit peu de ça, s'il y a moyen d'avoir un flint, ça peut servir pour plus tard, voilà, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, tac. Ouais, là je le fais un peu en rushant, mais j'ai vraiment envie d'avoir... En vrai, j'ai vraiment envie de le rusher là, j'ai vraiment envie de le rusher. Ça m'intéresse. Hop, voilà. Donc déjà, pour commencer, on a déjà pas mal de trucs. Là, il y a moyen d'avoir encore un peu de coal. Voilà, tac. Par contre, ouais, vraiment, je pense que c'est le bois qui va vraiment nous être vraiment, vraiment très... voilà, il va falloir vraiment économiser le bois. Donc voilà, c'est très important. Oh, on a une... Oh, c'est pas mal ça. On va pouvoir l'avoir dans quelques objectifs. Tac. J'entends quelques monstres, ok. Ouais. Ça vient d'en face, un peu en dessous je pense. Tac, tac. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bois? Est-ce qu'on serait pas sur un mineshaft? Oh si, carrément. Oh par contre c'est une empoisonnée, ça va être horrible. Est-ce que je les garde ou pas? C'est est-ce que j'ai...
Le dilemme c'est est-ce que je garde le spawner qui donne ces foutues araignées. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Dégage, dégage. Dégage en fait. Oh non, 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 ça a pas commencé. Ça a pas commencé les potes. En plus elles peuvent passer. Ah, oh, vous savez qu'elles peuvent passer dans un demi-bloc en plus. Ah oh, c'est fourbe. Oh j'ai accès à un coffre. Alors j'ai quoi? Efficiency 5, pumpkin pie. Ok ok c'est pas mal. Allez vas-y on va descendre. Tac. Hop, là on a accès. Oh on a accès au monument. Je sais pas ce qu'il faut exactement mettre dedans pour l'instant, donc on va rien faire. Hop là, voilà, et on va mettre ça à l'intérieur. Est-ce que j'ai besoin d'un... Je peux rien faire là, on est d'accord. Je peux rien faire. Ah si, l'efficiency 5, elle peut peut-être servir pour les toiles d'araignée. On va aller voir. Tac, oui, je perds quelques points de vie, je sais. J'ai l'air un peu débile. Est-ce que je me mettrais pas, comme d'habitude, peaceful? Ok, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Hop, on se met juste en peaceful pour ça. Merde, hop là, voilà. Je veux juste tester un truc. C'est si la ou elle fonctionne pour ça. Pas du tout, d'accord. Bon bah au moins ça aura servi à quelque chose. Hop, on va faire ça. Je suis désolé, je dois faire ça parce que sinon comme je vous dis c'est pas intéressant de faire des vidéos où ça coupe tout le temps, où il y a tout le temps des conneries comme ça. Enfin où je meurs tout le temps. Alors bon bah ok, hop, on va se remettre en easy. Voilà. Et on va miner un petit peu autour pour voir ce qu'il y a. À mon avis, il y a autre chose. Donc on sait qu'on a un coffre au prochain objectif, donc ça c'est parfait. Prochain objectif, on a un coffre. Tac, tac. On a de la clay, ça c'est très bien pour nous. Très bien pour nous. Tac, la clay. Hop. Je pense que là il y a moyen de faire pas mal de galeries déjà. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'autre bout du mineshaft, je n'ai même pas exploré. On a des rails, on va pouvoir faire l'achievement des rails directement. On en a pas besoin de beaucoup. What? Ah ouais, ça fait un sacré bruit quand même. Oh non, ça respawn. Dégage. Ah ouais, ça respawn sévère. Hein. Bon, déjà on a du fil, on peut faire des arcs et tout. Ça peut être pas mal. On a du fer, encore une fois. Ça aussi, c'est vraiment génial. J'espère que ça... Oh merde. Ah ouais, ça va vite en fait. Ok. Bon bah, de toute façon... Ah mais en fait, le truc qui me chagrine le plus... Ouais, le bruit, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment le bois, là. Je sais vraiment pas quoi faire. Ah, mais on a du bois ici. Ouais, mais oui, on a du bois carrément ici. Mais c'est parfait. On va pouvoir récupérer ce bois-là. Tac. Avec le fer. On a de la clay, du fer. Là, on a vraiment besoin de tout. Hein. On a vraiment besoin de tout. Donc, le bois, on en a besoin. La clay, on en a besoin. Le fer, on en a besoin. La clay pour la stone clay, je vous rappelle. Tac. Tac. Oh, non. Casse-toi. Oh, non, elle me donne du poison, en plus. Casse-toi. Oh là, je vais les réactiver, je suis désolé. Normal. Je veux bien remettre un truc comme ça, mais après j'ai plus de. Je sais que vous aimez pas. Je sais que vous aimez pas trop quand. Bah tout simplement quand c'est sombre. Donc voilà, j'évite le plus possible. Voilà, on a du fer. Ok. Great, great, great. On a du fer. On a encore du bois. Faut que je me fasse une épée. J'en ai plus. Il y en a une que j'ai mise à cuire. Ah non, elle est là-dedans. Ah ouais, non, là c'est horrible. C'est bon, j'ai récupéré. Parce que là, sinon les items ils vont dans l'étoile d'araignée et c'est horrible aussi. Bon, écoutez, ça c'est pas grave. On va récupérer ça. Ça peut peut-être servir un jour. Au lieu de faire des enclos pour les animaux avec du bois, bon, on prend ce qui est déjà existant. On a 5 bois. Ici, on a encore du bois. C'est parfait. Tac. Ah ouais, c'est vraiment fort le son. Hein. Y a un gros rage qui est en cours là. Tac. Voilà, on récupère les deux bois. Et là déjà on a un peu de bois en plus, c'est pas mal. On a de quoi faire. On a pas mal de trucs en vrai, c'est cool. On peut rien avoir. Alors les achievements. Là on peut pas faire du pain. On peut pas faire de kill de squelette. On a eu ça, on peut pas tuer de vache, on en a pas. On a pas d'eau. J'ai pas vu d'eau. Y a moyen de faire on a rail, je pense que c'est le truc le plus simple, et peut-être le diamonds. Si on arrive à avoir des diamants, y a vraiment moyen de les avoir, donc voilà. Hop, on va miner en dessous, tac, voilà. Il y a encore du... Ah oui, c'est vrai que c'est un peu superposé les mineshafts souvent. Il y a moyen d'avoir d'autres trucs. Ok, encore du fer, encore un spawner, ça me fait vraiment un petit peu peur. Ah voilà, elles arrivent. Tac, tac. Est-ce qu'il y a encore un truc en dessous ou pas?
Ouais, il y a encore un truc. Ah, ça va être hard. Il va là, là j'ai c'est bon, j'ai 5 de colle, il y a moins... on va faire des torches, vous inquiétez pas. Tac. Juste je vais garder ça en souvenir, je me rappelle que c'est bien là. Oh non, pas toi. Hop. Attendez, je vais me remettre. Voilà, c'est bon. Au début, je vais faire ça les potes hein. Je m'excuse vraiment. Tac tac. Voilà. Oh. Ah oui, on était remonté ah oui, c'était étrange ma façon d'avoir fait les escaliers. De toute façon, on va bien aménager ça pour le futur. Il fait un peu sombre, je m'en excuse encore une fois. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ou pas? J'ai accès à d'autres trucs? Je crois que j'ai eu des achievements entre temps. Je sais pas trop. Là, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Hop, hop, hop. Là, j'ai accès. Pas encore. Ok. On va faire cuire tout le fer. Je vais prendre. Alors, je vais prendre du coal. Vraiment, on va le mettre vraiment au minimum. Ok. Je suis en train de réfléchir là. On a 9 rails. Vous savez quoi, 9 rails c'est presque pile assez pour faire ça en fait. Pour faire l'achievement des rails. Donc est-ce que je le fais ou pas? Parce que là on a 9. Là on a en vrai on a 10 iron ingots et on en aura besoin de 5 pour faire un minecart. Quoique après on peut juste faire un truc de 4 à la base hein. Je dis 9 mais on peut en faire 4 à la base, c'est beaucoup plus simple pour moi. On a quelques torches ici, c'est vrai. On peut les garder, voilà. Tac, tac. Donc là, pour le truc on a rail, je vais attendre d'avoir quand même un peu plus de fer, parce que là, je sais pas quelle quantité de fer il y a. Donc on va prendre ça. Hop, ici, il y a quoi? On va sûrement tomber sur un truc un jour. Ici, non. Il y a sûrement un truc ici, c'est pas possible. Ou peut-être, attendez. Parce que je sais pas, vraiment, là, ça m'intrigue aussi. C'était où le truc? Ah, il faut vraiment que je fasse des échelles aussi. Il pleut. Tac, tac, tac. Non. C'est un peu une mauvaise technique que je fais là, mais bon. Parce que là, est-ce que par exemple, là, j'ai de la... Non, j'ai pas de stain clay, mais du coup, je suis remonté comme ça. Ah, c'est marqué, attendez. Yellow stain clay. Attendez, pourquoi c'est que quand je me dirige vers là? Yellow stain clay. Comment ça se fait? Faut que je regarde ici. Blue stain clay. Yellow stain clay, light gray stain clay. Donc là j'ai accès à quoi? Là j'ai accès à yellow stain clay, red stain clay, blue stain clay. Donc la yellow c'est celle-là et la red c'est celle-là. En soi on a accès à déjà à deux stain clay. Donc on les a pas là mais on les a juste en bas donc c'est parfait. On va faire ça et c'est parti. Tac, tac, voilà. Alors la yellow et la red. Yellow, non c'est orange celle-là. Bon, on a la raid déjà. On a la raid. On va prendre ça. Il faut refaire une pioche. Il faut refaire une pioche en fer. Tac. On en aura vraiment besoin. Donc, tac, pioche en fer. Voilà. Tac, tac, tac. On va remonter comme ça. Faut que je fasse un escalier dès le début. Sinon, je vais jamais m'en sortir par contre. Hop. Là, c'est blue déjà. Raid. Voilà. Donc là, on a de la red stain clay. Non, enfin, c'est la raid hardened clay, pardon. Donc on doit faire ça normalement. Et si c'est bon, normalement on doit faire ça. Voilà, monument complete. On voit c'est marqué monument complete. Alors je sais pas ce qu'on a. Est-ce qu'on... Ah, on a pas un truc qui spawn tout en haut? Je crois que c'est ça. Regardez, on a une mushroom cow. C'est exactement ça. Faut pas qu'elle tombe sinon elle va mourir. Faut vraiment que je me fasse un vrai accès par contre. Oh c'est parfait parce qu'on avait des bols. Et du coup ça pourrait pouvoir nous permettre d'avoir de la nourriture à l'infini. C'est vraiment parfait. J'adore. Ok, donc la yellow stain clay on en a là. Mais et la blue stain clay on en a pas trop. Peut-être qu'il faudra aller plus dans les grottes. Voir s'il n'y a pas moyen d'avoir d'autres trucs. Ouais, c'est vraiment pas mal. Par contre, ouais, musique et son. On va encore baisser. Et qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je remonte? Ouais, vas-y, on va remonter comme ça. Tac. Voilà. Peut-être je vais mettre. Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre directement. Je vais faire ça ici. Ça ici. Et comme ça, dès que je vais casser, voilà, parfait. Oh, cette technique, les amis, cette technique ancestrale. Donc, on va faire un gros puits comme ça pour commencer. Et après, on va faire un petit escalier, voilà. Rien de fou. Hop, tac, tac. Et la même chose pour ça. Hop, et hop. Voilà. Ici, je sais pas s'il y a moyen de mettre une torche. On va tester. Ah, il n'y a pas moyen. Bon, on va casser. Bon, on avance déjà bien. Faut juste pas que cette vache meure.
Par pitié, ne meurs pas, vache. Du coup, est-ce que... Ah, je vais mettre de l'eau. Quand j'aurai de l'eau, j'en mettrai ici. Comme ça, je pourrais tomber directement dans l'eau et tout. Ça ira plus vite. Hop. Ah, d'accord. Très bien. Voilà. Bon, ça, c'est déjà parfait. On va faire ici. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Bon, bah, on avance déjà pas mal. C'est parfait. On va pouvoir aller voir la Mushroom Cow. Et on a un joli escalier pour, bah, pour s'organiser, tout simplement. Tac, 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 tac. Je sais, je pourrais utiliser moins de cobble, mais je fais ça proprement. Oh, on en a deux même. On en a deux. Ouais, mais on a rien pour les reproduire, tout ça. Est-ce qu'on a accès à un autre truc ou pas quand... Parce que là, c'est... on aura accès à un bloc supplémentaire si on fait un... Attends, le co-tipper, est-ce qu'il marche là-dessus? Parce qu'en fait... Ah ouais, alors j'ai une stratégie. J'ai une stratégie. Ah, par contre, ça, on peut avoir des bâtons. Ouais, voilà. Ça, on peut avoir des bâtons. Voilà. Hop. J'avais oublié, mais faut connaître Minecraft, hein. Faut vraiment connaître Minecraft. Donc on a des bâtons. Donc limite, ça serait de les reproduire. Et une fois que c'est fait, on fait un clic droit avec une cisaille sur eux. Ce que ça fait, les amis, c'est que ça va devenir des vaches normales. Et une fois que c'est fait, on va les tuer. Et comme ça, ça va nous donner du cuir. On va voir l'achievement co-tipper. Ça peut être un truc à faire. Donc ok, c'est pas mal. Ok, ok. Allez, c'est parti. On va descendre. On va les mettre un peu en protection. Je sais pas s'il y a moyen de les... Ouais, non. Pour l'instant, on peut pas trop. J'ai pas de moyen de... Non, je sais pas. J'ai aucun moyen. Peut-être que si on va les chercher un peu au fond, il y a moyen d'avoir un autre truc, mais... Je sais pas. Allez, hop. Enfin, si au fond, là... Il faut vraiment aller le plus profond possible parce que je suis sûr il y a moyen d'avoir des trucs sympas. Il y a moyen. Tac. 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 Voilà. Et là, on va faire un escalier. Ah oui, du coup, j'ai plus de... Si j'ai des torches, excusez-moi de vous mettre dans le noir. Tac, 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 tac. Je vais vous remettre dans le noir. Hop là. Et voilà, parfait. Ah ! Non, pas parfait. Faire ça. Ça. Voilà. Bon, au moins, il y a de l'orga, c'est pas mal. Comme ça. Et là, normalement, si on... Là, on voit que c'est tout en haut, c'est le bloc de tout en haut, c'est le premier, c'est parfait. On va casser ça. On va casser ça. Non. Pas bon. Hop là, voilà. Hop, hop, hop. Du coup, on fait comme ça. Comme ça, plutôt. Ouais, ouais, ça va être pas mal comme ça. Bim, ici. Ici, comme ça. Ok. C'est un peu de réflexion, je sais. Mais il le faut. Hop là, voilà. Bon, ça, c'est parfait. Tac, tac. Il n'y a même pas besoin de ça en fait. Pourquoi j'ai posé un bloc là? Bon, au moins ça c'est fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un escalier en colimaçon jusqu'au tout en bas. Et une fois qu'on aura envie d'aller dans les grottes ou tout en bas, eh bien on mettra de l'eau tout en dessous. Voilà, c'est ce qu'on fera. Par contre, j'ai vraiment pas assez. Les hog fence en soi, est-ce qu'on s'en taperait un peu? De toute façon, on n'a pas besoin de faire pour l'instant. Donc on va faire comme si voilà, de rien n'était. On va prendre notre table de craft et on va s'organiser un peu. Le coffre, on a quelques petits trucs dedans, donc on va faire attention. Tac, 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 tac. Et ici, ça sera notre base, on va dire. Voilà. On va faire notre base ici. Faut pas s'affoler. On va prendre notre temps. Il faut bien s'organiser. Puisque ça risque d'être assez long. Donc, notre base, au tout début, elle sera là, ok? On va faire une petite base assez sympa. Prendre un peu de cobble. Voilà. Tac. Oui, ça va pas être très joli au début, je vous l'accorde. Mais au moins, ça sera fonctionnel. Tac, tac, tac. Voilà. J'économise vraiment un max. Hop, 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 voilà. Donc ça c'est fait. On a 27 redstone clay. Donc on va faire un petit sol bien cosy. Hop, 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 hop. Et pour le reste, on s'en fout un peu. Donc on va mettre table de craft. On va mettre four. On va mettre coffre. Et dans ce coffre là, on va mettre un peu toute la merde. On s'en fiche. Tac, tac. On va même tout mettre. Voilà, parce que on va prendre cet autre coffre. Hop. Et... On va tout mettre aussi, on va faire un double coffre. Voilà, déjà, en ressources, on a déjà tout ça. C'est énorme ce qu'on a déjà comme ressources. Et c'est parfait. Donc du coup, on va se servir. On va prendre... Ah oui, on n'a pas d'épée. Alors, on va utiliser deux fers exceptionnels. Non. Est-ce que ça nous permet d'avoir un truc, avoir de... Non, on a déjà... Ok. On va faire une pioche en pierre. On va pas... Je sais pas si ça nous sert... Ouais, ça va forcément nous servir. De toute façon, on va en retrouver du fer. On va en retrouver, c'est pas ça le plus important.
Hop, donc on va se faire une pioche en fer. Hop, voilà. Ça c'est fait. On a notre pioche, ça. On a 16 bols, il y a moyen de se faire de la bouffe à l'infini là. Et on va remonter juste après. On va prendre quelques blocs au cas où. Et les torches, on va la prendre. On va même prendre un peu de coal. On a des sticks. Allez, on va faire des torches pour toute la série là. Non, je rigole. On va faire, allez, 8 torches, pas plus. Sinon, hop, on a vraiment rien. Donc on a 9 torches, des blocs, de la bouffe, des outils et ça va être parfait, ça va être parfait. OK, on va remonter prendre du manger. Peut-être qu'un jour je mettrai des escaliers ici pour aller beaucoup plus vite, je sais pas. Bon, on est déjà en haut, hein, ceci dit. Et là, ra 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 ra, bouffe à l'infini, je vous le dis, hein, c'est trop simple. Bouffe à l'infini, c'est trop bien. Allez hop, on descend. Hop là, est-ce que je continue à faire le truc en colimaçon ici ou pas? J'aimerais bien. Hop, hop, hop. Allez, vas-y, on tente un truc comme ça. Pour l'instant, on tente un truc comme ça. Hop, hop. Voilà. Ah oui, je vais mettre ça dans ma deuxième main pour pas vous perturber, vous inquiétez pas. Oh, pas que j'utilise trop mes trucs non plus. Voilà. Alors là, le milieu il est là, là, là. Faut que je fasse attention aussi. Hein. Hop là. Tac, 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 tac. Voilà. Tac, tac. Ici, hop. Et normalement c'est bon. Alors on va faire un peu de place. Bim. Ok, c'est... J'ai un peu de mal, mais sinon c'est bon. Ok, bon, vas-y, on va pas s'attarder là-dessus. Moi, j'ai vraiment envie d'aller vraiment tout au fond là. Donc, on fera ça plus tard ou je le ferai peut-être en vidéo. Mais pour l'instant, là que c'est fait, on va faire ça. Vas-y, on va le casser. Hein. On s'en fiche, on le casse. On le pète, on l'explose, on s'en fiche. Tac. De toute façon, on a assez de fil. Si on veut du fil, on est yamb. Ici, on va descendre. Tac, tac, tac. Je fais n'importe quoi, mais bon. Hop là, voilà. Là, on n'a rien. Non, on peut même pas y accéder. Là, faut faire attention aussi. Alors, on va faire un petit escalier. Tac, 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 tac. Voilà. Nickel. Purée, on s'organise bien. Il y a encore du fer, pas mal. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, 2 fer en plus. Allez, 4. C'est parfait. Là, il faut trouver du diamant. Absolument. Le bois. Je devrais faire une petite hache aussi. Parce qu'à la main, c'est vrai que c'est un peu laborieux. Oh, on a pas mal de coal là, c'est pas mal, c'est génial. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, les amis. Pour l'instant, cet épisode, ça vous avez vu, c'est différent. C'est même si le but c'est toujours de faire la même chose, c'est grave différent. Dans le premier épisode, on avait juste des, enfin dans la série dans Captive Minecraft 1, on avait vraiment pas grand chose. Oh, on a des champignons, c'est sympa ça. On avait vraiment pas grand chose. On avait juste des grottes et tout. Et là, déjà, on arrive, on a des mineshafts et tout. On a vraiment pas du tout la même chose, c'est très perturbant à première vue, mais c'est grave intéressant sinon. C'est grave intéressant. Donc faut que je note que je viens de là. Hop. Tac, tac. Ma pioche est bientôt cassée, faut que je fasse attention aussi. Allez, encore du fer. Là je vais faire une enclume à la fin là. Je vais faire une enclume, c'est pas possible. Hop. C'est ouf. Vas-y, je vais aller jusqu'à là. Ouais. Hop. Ça sert pas à grand chose, mais bon. Hop, hop. J'ai vu le fer, vous inquiétez pas. C'est au cas où on en a besoin, on le mettra. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Encore du coal. Parfait. Voilà. Oh, je descends profond là. On est à combien? 153 de haut. Oh, mais. Waouh. On est à 153 de haut, mais c'est tellement profond. Encore le mineshaft. Parfait. Prendre un peu de fer. Ah ouais, ça rigole pas du tout là. Hein. C'est grave profond. D'accord. Bon bah je pense que dans le prochain épisode il y aura moyen d'avoir l'achievement diamonds et en plus de ça de faire le truc des rails avec le minecart et tout, parce que c'est très simple à faire, là il y a moyen de le faire. C'est juste que comme on n'a pas de rail propulseur, ça va être un peu long, mais sinon je peux faire des ellipses hein, comme j'ai fait dans la première série. Donc hop, le mineshaft, qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien dans cette portion de mineshaft intéressante, si ce n'est du bois et un peu de fer. C'est intéressant, ça reste intéressant. Hop, on va prendre la toile d'araignée. On va mettre une torche ici. Ok, ok. Là, ça m'intrigue. Pourquoi il y a... Ah bah. Ok. Ok. Et là, il n'y a pas grand-chose d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Ah, quoique. Ah, ça m'intrigue. Ça m'intrigue de fou. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, en fait. Ok. Bon, bah, ok.
Il y a encore. Mais il y aura tellement de trucs à visiter du coup, c'est insane. Insane, les amis. Bon, bah, ok. Alors, je vais prendre encore toutes les ressources qu'il y a à ma disposition. C'est pas grave, on fera l'escalier. Hop, voilà. Tac, tac, voilà. Et il me reste que 0. Ah, bah, il me reste 0. Vas-y, on va remonter. On va s'en recrafter une. Et on va faire cuire un petit peu tout ce schmilblick. Je pourrais même pas récupérer tout le fer. Vas-y, non, je peux même pas récupérer tout. On va prendre un petit peu de bois sur le, au passage. Et je, bah, vous savez quoi, avec le bois que j'ai là et avec le fer, je vais me crafter une hache. Ça va être important. Hop là. Parfait. Alors du coup, on va monter à la zeub. C'est pas grave. Tac. Là, on peut monter comme ça. Voilà. Vas-y, on va faire un petit escalier de fortune et c'est parti. Escalier de fortune, épisode 2. Voilà. Et je venais de là. Alors, il faut que je fasse le tour du coup. Hop là. Hop là. Ah non, je dois. Oh, c'est ultra fourbe. Ah purée, j'en ai marre. le mec, c'est bon, il en a déjà marre. Hop. Tac. Ah non. Tac. Voilà. Tac. Non, mais je suis monté avec du bois. Mais je suis tellement débile. Je suis tellement débile. Allez, je m'en fiche. Je suis pas monté avec du bois tout à l'heure. Rassurez-moi. Rassurez-moi quand même. Je suis tellement habitué à ce que ça soit une ressource abondante. Parce que vous savez très bien, Minecraft, la base de Minecraft, c'est le bois. C'est le truc que t'as le plus en abondance. C'est vraiment, tu peux pas le louper quoi, c'est le bois. Donc voilà. Alors où je m'étais arrêté dans mon escalier de la mort là. Je m'étais arrêté à peu près là. Allez hop, on remonte. Au moins on sait qu'il n'y a qu'une sortie. Voilà, c'est par là. Allez, c'est parti. Bon, avec tout ce qu'on a là, on va faire ça. Voilà. Peut-être faire un deuxième four. Ça va nous servir le deuxième four. Vous savez très bien. Tac, tac, tac. Mais c'est vrai que. Mais pourquoi je reste en peaceful moi? Je suis vraiment nul. Hein. Je suis vraiment nul. Franchement, tapez-moi. Tapez-moi, les gars. Tapez-moi. Ok, Iron Ingot, ça c'est bon. On va rien cuire dans ce truc là. Peut-être faire un coffre de bouffe. Quoique. Là on a pas beaucoup de bois donc on va faire attention. Tac, voilà. Tac, tac, tac. On a des flèches, on a un flint, on peut faire un briquet. Alors ça nous servira complètement à rien pour l'instant. Mais ça va nous servir plus tard. Donc on anticipe. On va faire un minecart avec ce qu'on a comme fer. Tac, 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 tac. Minecart, voilà. Du coup, on va le placer là. Et du coup, on fera des petits tours en minecart dans le prochain épisode. Alors, achievement. Il faut vraiment trouver. Je pense qu'il y a là en fouillant bien, il y a moyen d'avoir des petites graines quelque part. Ouais, il y a moyen d'avoir des petites graines. Trouver du diams et on a rail. Après, pour Delicious Fish, il faudrait avoir deux sources d'eau pour faire une source d'eau infinie et après pêcher. Parce qu'après, on peut faire. Vous savez quoi? On va faire la canne à pêche tout de suite et comme ça, ça sera fait aussi. Alors, la canne à pêche, ça se fait comme ça et deux fils normalement, si je me trompe pas. Donc, tac, tac, hop, deux fils, trois bâtons. Voilà, une canne à pêche, ça sera fait et il faudra trouver de l'eau. La stain clay. Ah oui, il faudra trouver tout ce qui est fleurs, colorants, n'importe lequel. Il faut que je me renseigne sur les colorants parce que je connais pas trop. Comme ça, il faudra. Bah, ça sera pour les concrete. Enfin, pour les blocs de hardened clay. Voilà, c'est pour ça. Bon, bah voilà. Alors, du coup, j'ai plus de stick. Ok, j'ai plus de stick à première vue. On va faire des sticks pour faire une hache. Comme ça. Et on a besoin de. Alors on a besoin de pioche, hache. Ah oui, on a re-besoin d'une pioche. Donc on va la faire. Hop là, voilà. Donc pioche, hache, bouffe. Ok. Iron ore, pur, on en a encore à cuire ici, c'est parfait. On peut faire un peu plus de torches éventuellement. Ça pourra nous servir. Donc je vais réserver encore deux trucs de stick. Hop, 4. Et je vais en prendre 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on en a encore 9 des torches, mais là au moins on pourra s'en servir abondamment pour un peu tout torcher, donc c'est parfait. Regardez, là on a une torche, on peut en mettre une deuxième ici, une troisième ici, et on a tout éclairé. Ok, ok, ok. On a notre réserve de bouffe. La pomme, comme on peut pas la manger, c'est vrai que les pommes on s'en fiche pour l'instant, c'est vraiment une réserve de nourriture. Je me rappelle que j'en avais gardé pour faire une pomme d'or, mais ça sert strictement à rien puisque la pomme de noche on peut plus la crafter. Donc en fait notre réserve de bouffe en soi c'est ça plus tous les bols. Ok.
Bon, bah, ok, c'est parfait. Là, on pourra carrément faire cuire nos outils comme ça, parce qu'on s'en fiche complètement en fait. Ça sert carrément à rien. Donc, faudra me faire penser au cas où on a plus de colle. Et voilà, ça cuit. Bref, les amis, je pense qu'on va se laisser là. On a bien avancé pour ce premier épisode. On va, vous savez quoi, là pour cet épisode là, cette fin d'épisode, on va se mettre en haut. Bon bah dommage, il fait nuit, mais j'aurais bien aimé qu'il fasse jour pour vous montrer l'avancée. Donc au début, on avait un bloc de 1 par 1 et on a réussi à faire vraiment un truc assez conséquent. Voilà, on a réussi à se mettre là. Là, voilà, on a avancé de 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Voilà, on a avancé de 5 blocs et maintenant on peut vivre paisiblement. Bref, les amis, j'espère que ça vous a plu, cette première vidéo de Captive Minecraft 2. Voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Bien sûr, abonnez-vous, c'est le plus important si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Oxymos. Service. Allez, ciao.